Yon année allé, yon année vini. Mais ça n'a pas empêché le président de la République, l'excellent Jovenel Moïse, continuer le travail avec plus fougue, plus détermination pour créer bon gens conditions pour les gens qui ont plus besoin de joindre la vie meilleure, permettre ça que moyen vienne investir et puis créer travail dans un climat de la paix et de sécurité. 1er janvier 2018, le président de la République, l'excellent Jovenel Moïse, accompagné avec la première dame, Mme Martine Moïse, Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, président de branche parlement, et l'autre gros dignitaire dans l'État et dans la société civile, là, commémoré dans la ville Gonaïve, 214e anniversaire indépendance pays. Dans mardi 2 janvier, chef l'État a déposé un gerbe-fleur dans le musée Panthéon National Mupana, dans l'occasion, jour qui mettait à pas pour commémorer mémoire ancêtre. Après le fin de signer livre Laura, Excellence l'a invité tout Haïtien à la ronde Badé pour agir dans la façon qui pas dépendamment à rêves ancêtre dans l'intérêt pays. Dans le même mardi 2 janvier, le président de la République a participé dans la 5e édition Activité au Kai Soubekan, côté plusieurs centaines de monde Soubekan, si on est métropole sud là, et puis participé dans la 8e édition Journée Livre là dans la ville au Kai. Pendant le tenant aéroport Antoine Simon, le président a profité de saluer tout directeur départemental sud dans l'occasion fête fin année. Jeudi 4 janvier, excellent Jovenel Moïse, accompagné avec sénateur Naoun Marcellus, sénateur Diodon Luma Etienne et puis ministre TPTCA, ingénieur Fritz Kayo, remettre un logo matériel lourd par la mairie Cap-Haïtien avec direction départementale Travaux publics Noa. Matériel ça va servir dans la construction route à Kembe, deuxième ville pays à propre. Samedi 6 janvier 2018, la coupe présidentielle, là, bon côté plusieurs autres gros dignitaires dans l'État, participer dans la cérémonie intronisation Monseigneur Max Leroy Mésidor comme nouveau archevêque métropolitain Port-au-Prince. Dans le même samedi 6 janvier, le président de la République, là, accompagné avec ministre Jeunesse, Sport et Action Civique, là, Mme Régine Lamure, participer dans la cérémonie Clôti Forum Jeunesse là, dans Rennes Croix des Bouquets. Un président qui n'a pas un jour férié, un président qui travaille sans prendre souffle depuis le premier jour de l'année pour porter la vie meilleure par le peuple, c'est un président qui mettait intérêt pays avant toute l'autre bagaille. Pour 2017 là, c'est travail président Jovenel Moïse qui travaille. Pour l'année 2018 là, c'est travail qui continue de travailler.